prince, l'unique objet du soin des immortels. Souffrez que mon encens parfume vos autels, je vous offre un peu tard ce présent de ma muse. Les ans et les travaux me serviront d'excuse, mon esprit diminue, au lieu qu'à chaque instant on aperçoit le vôtre. Aller en augmentant, il ne va pas, il court, il semble avoir des ailes. Le héros dont il tient des qualités si belles dans le métier de Mars brûle d'en faire autant. Il ne tient pas à lui que forçant la victoire, il ne marche à pas de géant dans la carrière de la gloire. Quelque dieu le retient, c'est notre souverain, lui qu'un mois a rendu maître et vainqueur du Rhin. Cette rapidité était alors nécessaire, peut-être elle serait aujourd'hui téméraire. Je mentais. Aussi bien, les ris et les amours ne sont pas soupçonnés d'aimer les longs discours. De ces sortes de dieux, votre cour se compose. Ce n'est pas qu'après tout, d'autres divinités n'y tiennent le haut bout. Le sens et la raison y règlent toutes choses. Consultez ces derniers sur un fait où les Grecs, imprudents et peu circonspects, s'abandonnèrent à des charmes qui métamorphosaient en bêtes les humains. Les compagnons d'Ulysse, après 10 ans d'alarme, erraient au gré du vent de leur sort incertain. Ils abordèrent un rivage où la fille du dieu du jour, Circé, tenait alors sa cour. Elle leur fit boire un breuvage délicieux mais plein d'un funeste poison. D'abord, ils perdent la raison. Quelques moments après, leur cœur et leur visage prennent l'air et les traits d'animaux différents. Les voilà devenus ours, lions, éléphants, les uns sous une masse énorme, les autres sous une autre forme. Ils s'envient de petits, exemple Moutalpa. Le seul Ulysse en échappa. Il sut se défier de la liqueur traîtresse. Comme il joignait à la sagesse la mine d'un héros et le doux entretien, il fit tant que l'enchanteresse prit un autre poison, peu différent du sien. Une déesse dit tout ce qu'elle a dans l'âme, celle-ci déclara sa flamme. Ulysse était trop fin pour ne pas profiter d'une pareille conjoncture. Il obtint qu'on rendît à ces Grecs leur figure, mais la voudront-ils bien, dit la nymphe, accepter, aller le proposer de ce pas à la troupe. Ulysse y court, et dit l'empoisonneuse coupe à son remède encore, et je viens vous l'offrir. Chers amis, voulez-vous, homme, redevenir? On vous rend déjà la parole. Le lion dit, pensant rugir, je n'ai pas la tête si folle. Moi, renoncer au bien que je viens d'acquérir, j'ai griffes et dents, et mets en pièces qui m'attaquent, je suis roi, deviendrai-je un citadin d'Ithac? Tu me rendras peut-être encore simple soldat, je ne veux point changer d'état. Ulysse, du lion, court à l'ours. Oh, mon frère, comme te voilà fait! Je t'ai vu si joli. Ah, vraiment, nous y voici, reprit l'ours à sa manière. Comme me voilà fait, comme doit être un ours, qui t'a dit qu'une forme est plus belle qu'une autre? Est-ce à la tienne à juger de la nôtre? Je m'en rapporte aux yeux d'une ours, mes amours. Te déplais-je? Va-t'en, suis ta route et me laisse. Je vis libre, content, sans nul soin qui me presse, et te dis tout net et tout plat, je ne veux point changer d'état. Le prince grec, au loup, va proposer l'affaire. Il lui dit, au hasard d'un semblable refus, camarade, je suis confus qu'une jeune et belle bergère compte aux échos les appétits gloutons qui t'ont fait manger ces moutons. Autrefois, en tu vu sauver sa bergerie, tu menais une honnête vie. Quitte ces bois et redeviens, au lieu de loup, homme de bien. En est-il, dit le loup, pour moi je n'en vois guère. Tu t'en viens me traiter de bête carnassière, toi qui parles, qu'es-tu? N'auriez-vous pas, sans moi, mangé ces animaux que plaint tout le village? Si j'étais homme, par ta foi aimerais-je moins le carnage? Pour un mot, quelquefois, vous vous étranglez tous, ne vous êtes-vous pas l'un à l'autre des loups, tout bien considéré? Je te soutiens, en somme, que scélérat pour scélérat, il vaut mieux être un loup qu'un homme, je ne veux point changer d'état. Ulysse fit à tous une même semonce, chacun d'eux fit même réponse, autant le grand que le petit. La liberté
Les bois, suivre leur appétit, c'était leur délice suprême. Tous renonçaient au lot des belles actions. Ils croyaient s'affranchir selon leur passion. Ils étaient esclaves d'eux-mêmes. Prince, j'aurais voulu vous choisir un sujet où je pusse mêler le plaisant à l'utile. C'était sans doute un beau projet si ce choix eût été facile. Les compagnons d'Ulysse, enfin, se sont offerts. Ils ont force pareille en ce bas univers. Jean, à qui j'impose pour peine votre censure et votre haine.